Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est Muriel en t-shirt, il fait soleil, les fenêtres sont ouvertes, ça peut-être pas durer, mais bon. Et puis je voulais remercier une de mes clientes pour ce super t-shirt. Alors c'est un t-shirt qui représente, je crois, les femmes pas révoltées, mais oui. Non, mais il est très joli, très joli, très joli. En plus, c'est américain, c'est parfait pour moi. J'aime beaucoup les USA, j'ai pas eu cette chance d'aller encore, mais merci, merci, elle se reconnaîtra. Et j'espère que vous allez donc tous bien. Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes la pleine lune. Alors, n'oubliez pas de mettre vos bracelets à base de pierre, vos pierres, tout ça, en pleine lune ce soir pour qu'elles reprennent tout leur pouvoir et leurs énergies. Donc, ce soir, nous sommes donc en pleine lune. Et j'embrasse bien sûr toutes les Nadèges parce que j'ai beaucoup de clientes qui s'appellent Nadège. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Nadège. Alors, on va faire le grand jeu de 32 aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira, ça change un peu. On va faire le grand jeu de 32 des 13 cartes pour voir ce qui se passe un petit peu, parce que c'est vraiment lent en ce moment, dans une espèce de lenteur où il ne se passe pas grand-chose, à part des feux que j'avais vus il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3-4 vidéos, je voyais en Espagne et au Portugal des feux. Bah, apparemment, au Portugal, ça flambe dur. Hein. Faut prier, faut prier, faut prier. Alors, on regarde avec le jeu de 32 pour la France. On regarde avec le jeu de 32 pour la France. Alors, je vais prendre 13 cartes. six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. J'avais expliqué un petit peu dans d'autres vidéos comment tirer les cartes aux 32 cartes. Ça peut vous faire un tirage même pour vous personnel si vous voulez. Donc, nous allons bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 6, 6 et 6, 12 et 1, 13, c'est parfait. Dans ces 13 cartes, au hasard, on va en prendre une et après on compte de 5 en 5 en regardant voir ce qu'on peut voir pour la semaine à venir ou pour la France. Allez, on sort le 8. Le 8, c'est une petite joie. C'est quand même une jolie carte, c'est le 8 de cœur. Donc, c'est une petite joie. Et ça y est, je suis parti. On compte de 5 en 5. 3, 4, 5. Une petite joie dans la rapidité avec le 10 de pique. 4, 5. On a des nouvelles qui nous font plaisir. Ben, ça, c'est pas mal. Ça, c'est le facteur, si vous voulez. C'est le valet de carreau. Donc, une petite joie. Rapidement, on a la nouvelle par les médias, sûrement. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est une femme qu'on aime bien avec la protection. Donc ça peut être notre Sainte Vierge Marie qui veille sur la France. Parce que actuellement, quand on regarde les autres pays, même au sujet de la météo et tout ça, on est encore tranquille. Encore, ça va encore, nous. Hein. Faut pas voir, vous avez vu hier avec le Hezbollah, je crois, ou un nom comme ça. Tous ces trucs qui sautent partout, là maintenant, tous ces décédés. Oh là là, mon Dieu. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Hein. C'est horrible, tout ça. Donc, protection de la Vierge Marie. 9 de cœur, meilleure carte des tarots en amour. On nous annonce ici pour la ville. Beaucoup de bruit dans les villes. Moi, je pense que c'est des grèves ou des choses comme ça. Parce que là, le valet avec le 8, ça nous annonce la cohue, le monde. Il y a des rassemblements, peut-être. Je ne suis pas au courant, moi. Hein. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Il y a des rassemblements, peut-être. On voit beaucoup de manifestations en France en septembre-octobre. 1, 2, 3, 4, 5... Ça peut nous représenter nous. Et là, nous avons le 9 de pique qui représente la pire des cartes. Ça peut être un décès, ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être le début d'autre chose avec une fin, si vous voulez. Donc, il faut absolument que je recouvre l'autre carte. Donc, rupture de quoi, là? On nous l'annonce aussi. Ça, c'est le chien de pique. On nous annonce une rupture, certitude. On va les mettre comme ça. Rupture, certitude. Rupture, certitude d'argent, quand même, vous voyez. Il y a des problèmes économiques importants. Je vous avais dit que la France était à deux doigts d'être sous tutelle avec l'Europe. Hein. C'était pas loin, on était à 80%. Et là, on nous dit, attention, regardez bien comment ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, le chien de pique nous annonce une certitude d'argent. 3, 4, 5, une rupture d'argent, encore de l'argent. Le 9 est un peu moins lourd, mais c'est une rupture d'argent pour la France. À cause d'une bonne femme, ça va vous faire rire, à cause d'une femme, la dame de carreau, qui est pour moi la dame de carreau, une poufiasse. Donc, alors cherchez pas, ça c'est Madame Vander machin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les trois dames. Dans la politique, c'est le foutoir total. Les trois dames, c'est calomnie, médisance, méchanceté. Donc, ça va se décoincer, mais pour l'instant,
C'est un peu le foutoir, ils n'arrivent même pas à trouver de ministre. C'est un peu le foutoir. Ici, on a une rupture dans l'économie. C'est dur, hein. Alors, j'ai juste vu le titre ce matin. Il se pourrait qu'ils nous augmentent les impôts. C'est peut-être ça que je vois. Pour pouvoir s'en sortir, bien sûr. Parce que... Il se pourrait qu'ils nous augmentent les impôts. Alors, on va recouvrir. Est-ce que ça serait les impôts, ça, qui veulent augmenter en France pour pouvoir remonter la dette française? Je ne recouvre pas tout, c'est pas la peine. Ça, c'est notre Sainte Vierge Marie que je recouvre. Non, Sainte Vierge Marie était là. Notre Sainte Vierge Marie que je recouvre. Alors, certitude de problèmes financiers en France qui vient, bah, de pas, qui vient du déplacement, c'est-à-dire c'est pas en France, c'est l'Europe, ça, qui nous demande des comptes. Ça, c'est Van der Braa avec un jeune. Allez, Van der Braa avec un jeune ici, qui nous demande des comptes en France. L'argent est gouverné par plusieurs personnes, mais ils s'en sortent pas avec la dame de carreau et le valet. Waouh, on s'en sort quand même. Bouh. On s'en sort ici avec l'as de trèfle. Ça veut dire, j'essaie d'être plus clair parce que c'est pas, des fois c'est pas clair. Ça veut dire que si vous avez de l'argent placé, alors pas 200 000 ou 300 000 euros, hein, moi je m'arrête avant. Hein. Si vous avez par exemple même jusqu'à 50, on va dire jusqu'à 100 000 euros, vous ne risquez rien en France. Après, si vous avez plus, peut-être, mais jusqu'à 100 000 euros, les livres, alors je sais pas, on n'a pas un livret avec 100 000, mais les livrets à LDD, tous ces trucs-là. Vous ne risquez rien dans une période, on va dire, de 12 mois, allez, 18 mois. Après, moi, je ne vois pas, ce n'est pas si précis. Mais jusqu'à 18 mois, vous êtes tranquille. Ce n'est pas la peine de retirer l'argent des banques, ce n'est pas la peine. Là, ça va bien se passer. On va avoir certainement peut-être un redressement bancaire ou quelque chose qui vient de l'UE, ici, avec Vander, ici, qui, voilà, c'est pas quelqu'un, elle fait partie des élites, hein. C'est quelqu'un qui cherche un peu le caca, hein, on va dire. Mais normalement, nous, on s'en sort ici, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Grosse protection de Marie sur le peuple avec le 7 ici qui représente les jeunes en plus. Et nous avons 4, 5, oui, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Priez. Alors déjà, la prière est excellente comme ça, tous les jours, en semaine et tout. Ça, on fait une protection pour les maisons, pour notre famille. Mais priez aussi parce que nous sommes en pleine lune. Et dans la pleine lune, ça réagit beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Donc, je voulais voir si les impôts, justement, au jeu de 32. On va le faire sur trois cartes. Hein. Est-ce que. Parce que ça, je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne suis pas du tout au courant. Donc, vous me direz si je suis à côté. Hein. J'ai vu qu'ils allaient augmenter les impôts. Ça, c'est ma teckel. Hein, donc, Tipeee. Voilà. C'est du direct. Hein. Je refais jamais mes vidéos. Alors, les impôts en France vont-ils augmenter? Est-ce qu'ils vont nous augmenter les impôts? Ça, c'est un jeune. Est-ce qu'ils vont nous augmenter les impôts pour pouvoir boucher la dette énorme que Nunu et sa compagnie ont créée? Alors, est-ce qu'ils vont augmenter les impôts en France? Parce que c'est une loi qu'ils veulent faire passer normalement. J'en mets trois. Vous voyez, encore une loi européenne, c'est pas chez nous. Grande joie, non, je pense pas qu'ils vont pouvoir augmenter cette année, en tout cas 2024. Je ne pense pas que ça augmente cette année, pas en 2024, peut-être 2025, hein, il reste 3 mois. Hein. Alors, non, ici on a le roi de cœur, on a, c'est bon, c'est des jolies cartes, le 7 c'est le monde, c'est les gens, là une dame nous protège. Normalement, il ne devrait pas augmenter les impôts en 2024, peut-être en 2025, mais je ne vois pas énormément d'augmentation. Je vois pas énormément d'augmentation. Bon, bah, c'est pas mal ça. Allez, on s'en fait un petit encore. Alors, oh là là, allez, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit. Juste parce qu'on prend le 32. Moi, c'était mon premier jeu, le 32 cartes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne mets pas trop en voyance parce que je chouchoute mon Béline. Mais alors, allez, on se fait Manu. On se fait Manu. Allez, on se fait Manu. On se fait Manu. On se fait Manu. Manu. 5 cartes. Allez, je ne recouvrirai peut-être pas parce que j'ai pas de batterie. J'ai pas assez de batterie sur mon téléphone. Manu, bah lui, il n'est pas si mal que ça, il a un triomphe. Hein. Non, non, mais c'est pas possible. Ah, il s'en va en déplacement, il va quelque part. Un déplacement au loin pour lui attendu avec joie. Manu, 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 Manu. Ah, ça c'est bon ça. On a une ruche. Oula, oula. Alors, il y a bien un déplacement avec joie pour lui assez rapidement, je ne sais pas où il va. Hein. Et là, j'ai assez pensé, c'est la Bérézina avec le 9 de pique, la pire des cartes en centre de jeu. Donc ça, c'est très bon pour nous. Rupture et problème financier, mais ce n'est pas pour lui, hein, ce n'est pas pour sa paye. Hein. Mais c'est rupture, problème financier pour la France,
Il ne sait pas comment s'en dépatouiller avec le 9. 9 de pique, pierre des cartes, meilleure carte des tarots, avec le triomphe pour nous dans le futur. Et le revoilà là, avec sa femme, ici. On recouvre lui. Sa famille. Il va quelque part, mais ça, après, c'est sa vie privée. Ça, c'est sa vie privée. Mais c'est vrai qu'il va quelque part. On en aura nouvelle. Et c'est pas si bon que ça, avec le chien de pique. Bon, pour l'instant, écoutez, il fait toujours des va-et-vient qui ne servent à rien. Problème financier, on le retrouve ici. Et puis nous, on a la gloire dans le futur. C'est quand cette gloire? Il faudrait peut-être qu'elle arrive quand même. 8 de cœur. Eh bien, écoutez, c'est une petite joie pour l'instant. C'est mieux que rien. Je suis à 10 minutes 30 et quelques. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve demain avec le Béline et on regardera, je ne sais pas. On verra. On verra, on verra. Bisous, bisous à vous tous. Je vous aime fort. Je vous fais des grosses bises. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. À demain.